Des missionnaires de Durkan invoquent des périodes de turbulence et de doute. La suite des informations se passe après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Daniel Kablan Duka a démissionné officiellement ce lundi 13 juillet 2020 après son départ de la vice-présidence. Le natif de Grand Bassam témoigne sa reconnaissance à Alassane Ouattara. Le natif de Grand Bassam indique par ailleurs que sa démission intervient en des périodes de turbulence et de doute en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan Duka, une rupture avec Ouattara après 30 ans de collaboration. Les événements se sont accélérés ces derniers jours en Côte d'Ivoire, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle de 2020. Alors que toute la République s'affaire pour les obsèques dignes de la personnalité de M. Amadou Gon-Coulibaly, disparu qu'un autre orage éclate dans le ciel politique ivoirien. Il s'agit de la démission de Daniel Kablan Duka de son poste de vice-président de la République de la Côte d'Ivoire. Les informations ont été publiées ce lundi 13 juillet par Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Après l'acceptation de sa deuxième lettre de démission par le président Ouattara, le député de Grand Bassam a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef de l'État. Non sans rappel, leurs collaborateurs successifs qui durent maintenant 30 ans, rappelant l'idéal qui sous-entend la création de PDCI, Renaissance en cette période et de turbulence et de doute. Que traverse la Côte d'Ivoire décadée a toutefois un vieux pied. Je souhaite vivement que notre terre reste toujours une terre de justice, de paix et de progrès.